je vais être édité. Oui, je vais être édité par les éditions Meya. J'ai écrit un petit roman thriller dont l'histoire pourrait vous intéresser. Alors pour l'instant, pas de date de sortie prévue. Nous avons lancé la campagne de précommande dont vous pouvez y participer si vous le voulez. Le lien sera dans la description et dans la bio TikTok. Tout dépend sur quelle plateforme vous regardez la vidéo. Et donc, pour vous donner envie de participer à cette campagne de précommande, je vais vous raconter de qu'est-ce que raconte mon histoire, qui s'appelle l'école. L'école nous raconte l'histoire d'Hugues Vincent. Hugues Vincent, c'est un policier aux tendances violentes qui se fait virer de la police après avoir tabassé un dealer. Et il retourne dans sa ville natale, Saint-Arnold, pour comprendre pourquoi il a ces pulsions violentes et meurtrières. Car il a des souvenirs un peu étranges qui pourraient expliquer justement son mal. Et donc on va voir Hugues Vincent sombrer petit à petit dans la folie et connaître la vérité sur son passé. Voilà. Mais pour vous donner encore plus envie de participer à cette campagne de précommande, je vais vous lire le premier chapitre de l'histoire, l'école. Je m'appelle Hugues Vincent. J'étais flic. Du moins, je l'étais. Car j'ai été viré. Quelle est la raison? J'ai des problèmes de comportement instable. On m'a suspendu parce que j'ai tabassé un dealer qui m'a insulté à mort. Il ne restait qu'une bouillie de son crâne. Je pense que c'en était assez pour mes supérieurs hiérarchiques. Ce n'était pas la première fois que ce genre d'incident se produisait en 10 ans. Oui, 10 ans. Ils ont mis 10 ans avant de comprendre que j'étais un foutu psychopathe. J'ai tué plusieurs gars pour de simples insultes. Je devrais être en prison, mais non, je suis simplement viré. Et en plus, au bout de 10 ans. Me voilà décidé à retourner dans ma ville d'enfance, Saint-Arnold, pour comprendre d'où vient cette folie qui est en moi. Saint-Arnold est une ville au climat brumeux, sans aucune autre ville ni village à l'horizon. C'est très plat. Saint-Arnold est assez désert. Ce n'est pas une ville très attractive, mais ceux qui y vivent restent. Et ceux qui partent reviennent un jour. C'est personnellement mon cas. Me voilà revenu dans la maison de mon enfance. C'est une demeure assez ancienne, qui se transmet de génération en génération. C'est une maison modeste, de la mousse pousse sur les murs. Ce qui n'est pas étonnant, mes parents sont morts il y a 20 ans, et j'étais déjà parti de cette ville. À l'intérieur de la maison, il y a encore cette odeur de renfermé. Le journal que mon père lisait est toujours là, comme s'il venait de quitter la pièce. La machine à tricoter de ma mère est encore là, également. La vieille tapisserie datant des années 30 est toujours là, ainsi que les escaliers en bois, qui craquent. Cette maison me rappelle certains souvenirs, comme la fois où mes parents m'ont surpris, en train de tuer le chien, ou même la fois où j'ai crevé l'œil de mon cousin, parce qu'il insinuait que j'avais une carrure squelettique, et que j'étais pâle comme un vampire. Il avait finalement raison. Je ne suis plus squelettique aujourd'hui. Et j'ai gardé ce train très pâle. Mon père a fini par avoir très peur de moi. Nous étions très proches autrefois. Mais petit à petit, notre relation s'est détériorée. Ma mère, elle, a cherché à comprendre ce qui n'allait pas. Elle a essayé de m'emmener voir un psy. Mais selon lui, rien n'a signalé. S'il est violent, c'est sans doute à cause des jeux vidéo. Pourtant, je ne jouais pas aux jeux vidéo. Mes loisirs étaient de traîner dans la forêt et de construire des pièges pour attraper des animaux et ensuite les tuer. Cela canalisait un peu mes pulsions instables. Ce manque de suivi psychologique m'a permis d'entrer dans la police, d'une manière chanceuse. Je me suis déjà demandé comment ces pulsions ultra-violentes ont commencé. Eh bien, cela a commencé lorsque je suis rentré en école primaire pour la première fois. Je me suis défoulé violemment sur un élève de ma classe, d'une manière inouïe, pour un enfant de 6 ans, pour une raison que j'ai en réalité oubliée. Avant cela, j'étais dans une école maternelle, un établissement particulier. C'était un château avec plein d'élèves. Je me souviens qu'ils avaient embauché un mime pour amuser les enfants lors des récréations. J'avais souvent l'impression que le mime me fixait d'une manière malsaine. Je faisais des cauchemars avec ce mime. Dans mon cauchemar, je vois le mime me réveiller, me tirer par les pieds. Je me vois hurler, mais personne ne m'entend. Le mime m'emmène vers une forêt qui rejoint cette fameuse école.
pour ensuite m'emmener vers une porte à l'arrière que je griffe pour résister. Et je me retrouve dans une cave. Je ne me souviens ensuite plus du reste du cauchemar. Ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu ces événements. Première chose intrigante, lorsque je me réveille, il y a de la terre sur mon pyjama. Comme si j'étais sorti en plein air et que j'avais rampé dans la terre. Peut-être du somnambulisme. Sauf que deux autres détails effrayants me reviennent en mémoire. Une fois, exceptionnellement, à cause de la pluie, la récréation a eu lieu derrière l'école. Et j'ai vu une porte, qui est la même que dans mon cauchemar, avec aussi une trace de griffure. Deuxième détail très effrayant. Il y a une fois, lors d'une récréation, comme d'habitude, le mime, une fois avoir terminé sa prestation, est venu me voir pour me dire à l'oreille « À ce soir, mon petit !» Hallucination ou réalité ? Je vais essayer de percer ce mystère et l'origine de ma violence en enquêtant dans ma ville natale.